Maquillage. Alors avant de monter sur scène, ça demande beaucoup de préparation. Énormément. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une bonne équipe derrière moi. Ouais. Qui gère un peu tout ce qu'il va faire. Une super maquilleuse, Elsa. En plus. La famille. La famille. Je vois que c'est ma petite sœur blanche. Ta petite sœur blanche. Je vois que t'es vêtue de vert, les couleurs de l'espoir. Alors c'est pourquoi ce t-shirt là? Alors le petit t-shirt là, c'est pour lutter contre la drépanocytose. Alors on a monté cette marque qui s'appelle D-Fly. On peut retrouver sur notre site tout simplement. Donc vous tapez www.aliencast.fr. Vous nous soutenez, vous achetez le t-shirt et ça nous permet nous de monter des actions pour lutter contre la drépanocytose. Merci Monsieur Lucha. C'est moi qui te remercie. On te laisse te préparer. On se laisse tranquillement et on va faire le show. Et là tout de suite, je rencontre Adeline Lajoanie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. Alors je vais vous présenter un petit peu, vous êtes journaliste spécialisée en hip-hop. C'est ça. Et des études d'Hippocagne, suivies d'un DUT, une maîtrise d'information et de communication. C'est beaucoup pour une seule personne. Je sais pas, mais en fait, finalement, les études, c'est pas grand-chose. Parce que, en vérité, journalisme, on l'apprend sur le terrain. Moi, je l'ai appris quand je suis arrivée à Paris. J'ai commencé dans un magazine qui s'appelait Radical. D'accord. Une référence. Ouais, une référence avec Olivier Gachin. Ouais. Et qui aujourd'hui n'est plus. Et j'ai appris vraiment sur le terrain, moi. Ce qui m'a toujours intéressée, c'était... les rappeurs, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? D'accord. Qui sont vraiment... je sais pas, quelle est leur vie, quelles sont leurs espérances, ce genre de choses. Tu peux nous donner un petit exemple de quelqu'un qui t'a marqué, qui a un parcours de vie Des gens qui m'ont marqué, je pense qu'une des personnes que j'ai suivies depuis le début, c'est Soprano. D'accord. Et c'est vrai que lui, au fur et à mesure, il m'a parlé de lui. C'est quelqu'un qui a un univers très particulier, c'est quelqu'un qui est très dark alors qu'on ne s'imagine pas du tout. Ah, pas du tout, ouais. Ouais. C'est un être humain extraordinaire, vraiment. C'est une de mes plus jolies rencontres, j'avoue. Tu vas nous vendre tout simplement ton bouquin pour que tous les fans d'AlienCast et de On va faire le show de l'émission aillent l'acheter. Alors bah en fait, Rapstar, c'est 50 portraits des 50 rappeurs américains et français qui comptent aujourd'hui. Si vous aimez le rap, si vous avez des amis qui aiment le rap, si vous avez des enfants qui aiment le rap, si vous avez des profs qui aiment le rap, bah, faut leur offrir ce livre, c'est un beau bouquin avec un DVD dedans, voilà. Bah, je crois qu'elle vous l'a vendu avec sa passion, avec toute son énergie, donc vous pourrez l'acheter. Et puis faites le show avec nous. Salut. Voilà, donc Younes vient de sortir de scène. Comment c'était sur scène? C'était super, le public a bien aimé la chanson et puis voilà, je suis content. Ouais, t'as tout enflammé, je vois que tu transpires même pas, c'est quoi ce... Non, en fait, je garde tout à l'intérieur, mais je vais m'exploser dans pas longtemps. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait une charmante demoiselle qui est venue sur scène faire des petits mouvements. Je sais pas, mais à ce qui paraît, c'est une danseuse orientale. D'accord, donc elle est venue comme ça à l'improviste, t'as pas de surprise? Je la connais, mais comme ça, mais j'ai jamais vu qu'elle est dansée orientale, mais... D'accord, donc là, m'a dit Lucien, ouais. Voilà, là, t'as pu voir. Alors toi, apparemment, tu es le nouveau visage
du pop rail. Exactement. Qu'est-ce que c'est le pop rail? En fait, le rail, c'est un style de musique qui porte toujours un message et on essaye de chanter ce qu'on ressent et pas ressentir ce qu'on chante. Pas le contraire. Et à la fin, on trouve que c'est toute une expérience qui est traduite en musique et en chant. Et là, particulièrement, tu le sentais quoi en fait? Là, c'était une vraie histoire. C'est une histoire qui s'appelle. En fait, j'avais rencontré une fille dans un bar-resto et je lui ai demandé, parce que j'avais l'habitude, j'étais un client. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais là, c'est la première fois que je te vois et tout ça. Elle m'a dit, je viens d'être embauché. Je lui ai dit, je t'appelle comment? Elle m'a dit, je m'appelle Pam. Je lui ai dit, mais Pam, c'est pas un prénom. Elle m'a dit, je m'appelle Pamela. Je lui ai dit, ben ton prénom, elle passe bien dans une chanson. Elle m'a dit, ah ben dis donc, vous les Arabes, dites que vous voyez une jolie fille veut devenir tous des artistes. C'est pour ça que j'ai écrit la chanson. D'accord. Et la chanson, elle a été quand même classée la première en 2009 à la radio Beurre FM. Et puis voilà, bah, l'album va sortir début novembre et j'espère que le public va aimer. Salut Donel. Salut, ça va? Ouais, moi c'est Gisèle. Enchanté, Donel. Pareillement. Donc tu es très jolie, Gisèle. Non, merci, c'est gentil. Tu es mannequin? Non, juste animatrice. D'accord. Et je vois que tu as gagné en fait plein de festivals de l'humour, donc Festival de Saint-Raphaël, Festival de Rocancourt. La Route du Rire, j'ai gagné une voiture. D'accord, c'est pas une blague, un festival de Rocancourt. Pas si comme Rocancourt l'autre. Voilà, tu as gagné donc les Routes du Rire. Ouais, la Route du Rire, j'ai gagné une voiture. C'est vrai? Ouais, il y a 2 ans, j'avais même pas mon permis il y a 2 ans. D'accord. Donc c'était présidé par Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, c'est ça, qui est depuis devenue comme ma marraine un peu. D'accord, et je vois que tu as bossé avec beaucoup de gens, première partie de Titoff, ouais, Maxime, Anthony Cavana. Cavana aussi, qui est un ami. Des noms lourds quand même. Bah ça, je fais mon chemin doucement et grâce au... Tu sais, ce métier, il y a 3 facteurs. Il y a le travail, il y a le talent, et il y a un facteur inconnu qui est la chance pour certains, le piston pour d'autres, ouais. Et les fils d'eux pour d'autres. Ouais. Donc moi, n'étant ni fils d'eux ni pistonné, moi il me faut ce facteur chance qui, pour l'instant, je suis croyant, je crois en Dieu, Dieu m'aime et je pense à des projets pour moi. Et... D'accord. Donc ce qui est important pour toi, c'est quand même la rencontre avec le public. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as pensé du public dont va faire le show aujourd'hui? Ah, c'est le public que j'aime. Ouais. C'est le public, parce que pour avoir fait le tour de la France, ce public-là, il a une chose, ils sont son défaut, c'est aussi sa qualité, mm-hmm. C'est que c'est un public qui donne. D'accord, ouais. Donc si t'es drôle, il te donne. Et si t'es pas drôle, il te donne aussi, mais dans le mauvais sens. Il te gifle. Exactement. Alors, à quoi tu penses juste avant de monter sur scène? Je pense toujours à... Est-ce que mes premiers mots vont être bons? Moi, j'ai un petit rituel. Je pense que si mes premiers mots sont bons, tout est bon. Donc des fois, j'arrive et quand je viens des premiers mots, je me dis, oh là là. Alors moi je voulais te demander un truc, parce qu'on dit femme qui rit à moitié dans ton... Oh c'est des conneries ça, c'est des conneries. C'est pas les humoristes ne niquent pas, zéro. C'est vrai? Les femmes rient après, disent non t'es sympa, allez bonne soirée. Non mais je voulais te demander du coup des conseils, est-ce que l'humour ça sert pour quelqu'un qui a sa copine et qui veut la ramener dans un spectacle. D'accord. Parce que quand tu ramènes ta copine dans un spectacle, le mec qui est sur scène il fait le boulot pour toi, la copine est détendue, toi tu ramasses. Mais nous non, tu dis une fille, je t'aime, et dis oui c'est bon, y a pas. D'accord, mais est-ce que t'as quand même une petite punchline tous les jeunes qui regardent, tu vois, à sortir comme ça, celle qui fait mouche, tu vois, peu importe la situation. Dans la drague? Dans la drague ou dans la vie, c'est toi qui choisis. J'ai pas de punchline spécialement, mais ouais. Pour tous les jeunes qui regardent, moi, ayant été un mec qui a vécu en banlieue, qui connaît le milieu parisien, qui est dans le show business et qui a des amis peu fréquentables, donc je suis parti dans tous les milieux, ouais. Moi, je dirais aux jeunes, il y a 2 choses à savoir, il faut se battre, ne pas s'apitoyer sur notre sort, il faut beaucoup travailler et il faut oser y aller et se dire que voir grand et penser grand, c'est ça moi je dirais à tous les jeunes. Les gars, écoutez-moi bien, stop au silence sur la DREPA. Si t'as la DREPA, il faut en parler, ok? Parce que les gens ont parlé de la grippe A, nous c'est pas la grippe A, nous c'est la DREPA, un truc qui fait très mal. N'ayez pas peur d'en parler, je pense qu'il y a des endroits où on peut se être renseigné. Être voilà, sur AlienCast, parlez-en. Sur le site, et vraiment, il faut pas avoir peur ni être gêné. C'est un truc qui touche nos peaux dures, mais on va se battre. Mais il faut en parler. De retour dans les coulisses dont va faire le show. Ici, c'est rencontre avec un alien. C'est rencontre avec Awa Imani. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Donc là, tu viens de sortir de scène. Comment tu te sens? Très très bien. On m'a vraiment bien accueilli. Public, ils sont vraiment rentrés dans le move. Et je suis très très contente en tout cas.
beaucoup de rencontres avec des artistes. J'ai cru entendre Kery James, Yannick Noah, Corneille, Amel Bent, Johnny Hallyday, entre autres. On a collaboré beaucoup avec des artistes de la variété et du milieu urbain. Mm-hmm. Donc on a beaucoup de scènes avec eux. D'accord, donc ça c'est pour la chorale. Ouais. Mais on t'a vu aussi dans des clips, donc avec le 113 par exemple. Célébration. Voilà, tu peux nous en parler un petit peu? Au niveau de la collaboration? De la collaboration avec le 113. Donc en fait je connaissais déjà Mokobé depuis un moment, depuis le clip Un Gawa Oran. Et ta mère a joué dedans? Ouais, ouais. Et, bah, elle a joué le rôle de la mère de Mokobé. Et donc à partir de là, en fait ça s'est fait par le biais de mon producteur Scap qui a fait l'instru. Donc il a proposé de m'intégrer dans le morceau et voilà, ça s'est fait naturellement. D'accord. Et donc là, tu es sur ton projet solo, voilà. Il est terminé, t'en es où? On le termine en juillet, normalement, théoriquement. Et la sortie de l'album, on n'a pas encore déterminé de date de sortie, mais ce sera prévu pour fin 2010. D'accord. Donc là, on vient te voir sur scène, mais ça sonne plutôt comment, l'album en entier? Assez éclectique, ouais. Parce qu'on pourra retrouver, ben, justement, là j'ai fait un morceau acoustique, un guitare-voix, il y aura un morceau du R&B, de la pop, voilà, ça ce sera vraiment éclectique. Alors stop ou silence sur la drépa. Merci Awa Imani. Merci à toi. Le show. On va faire le show. On va faire le show.